Moi, je n'entends plus rien. Au secours. Attends, je relance. On n'est pas en direct. Il est marqué on air. En air, Daniel. Pourquoi je vois pas le. Bonjour à tous, donc apparemment nous sommes en direct. Moi, est-ce qu'il y a un petit bug sur mon ordinateur? Ok. Ok. Eh ben, alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien et vous nous entendez bien? Ok. Alors, bonsoir à tous. Je suis Muriel, je suis votre animatrice pour ce soir. Et ce soir, sur le canal de l'âme et des mondes invisibles, on a le plaisir de recevoir Magali Volpès. Bonjour Magali, comment tu vas? Eh bien, enchantée, je vais très bien, merci. Ah, super, super. Ah, et donc les gens nous entendent et nous voient. Très bien. Très bien, parfait. Donc il y a juste eu un petit bug de mon côté, mais donc tout va bien. Eh bien, écoute, Magali, on est vraiment ravis de t'accueillir ce soir. Tu vas nous parler de notre taux vibratoire, comment élever nos vibrations pour mieux vivre tous les temps un peu particuliers qu'on est en train de vivre. Est-ce que avant de rentrer dans ce joli sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens? Bien sûr. Alors, géographiquement, je viens de Marseille. Ah, c'est important, c'est important. J'habite Marseille. Et sinon, je suis guide en chemin de vie. En fait, j'aide toutes les personnes qui sont sur un chemin de réalisation de qui elles sont à se connecter à leur âme et à réaliser leur chemin de vie. Donc, j'utilise pour ce faire principalement la numérologie, le tarot, un tarot numérologique que j'ai moi-même créé pour accompagner les personnes à faire leur choix en se laissant guider par leur âme. Et le magnétisme humaniste, qui est un outil de transformation de l'être. Mais là, ce soir, je vous parle depuis tout mon parcours, puisque j'ai démarré en tant que naturopathe. J'ai fait des relations humaines, de l'hypnose, de la PNL, de la colorthérapie, de la réflexologie plantaire. Enfin voilà, j'ai tout un nombre d'outils qui me permettent vraiment d'avoir une vision holistique de l'être humain. Et c'est ce qu'on va vraiment aborder ce soir, parce que pour parler de élever ses vibrations, on a vraiment besoin d'avoir accès à toutes les dimensions de l'être pour vraiment tout décortiquer, grappiller un petit peu voilà, de la vibrance énergétique à tous les niveaux. Super. Donc tu vas nous parler de tout ça ce soir. Et alors, il faut bien rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on aura la chance de recevoir un soin que tu nous feras en direct. Donc bah, écoutez les amis, moi je vous encourage vraiment à poser vos questions dans le chat. Comme ça, on pourra poser vos questions au fur et à mesure à Magali. Et puis, bah, bien rester avec nous jusqu'à la fin pour bénéficier du soin que Magali nous propose gentiment. Magali, on est tout ouïe, on est à toi. Ah, c'est parti. Merci beaucoup, Muriel. Eh bien oui, j'ai eu vraiment l'élan de faire ce webinaire avec vous suite au contexte en fait dans lequel on est. C'est vrai qu'il y a énormément de peurs, hein, que ce soit les peurs liées évidemment directement à la maladie, mais à la peur du contexte, des fois économique, social. Il y a un manque de lien. Enfin, vraiment, nos vies sont chamboulées. Et moi, la première, qui ai pourtant l'habitude de m'élever au-dessus, on va dire, des vibrations, des égrégores négatifs, j'ai pu sentir de temps en temps que, fou, je me laissais emporter, en fait, par les énergies environnantes. Et sûrement que ça vous arrive aussi. N'hésitez pas à mettre dans le chat, est-ce que parfois vous sentez que, oh, d'un coup, vous allez mal, ça va vraiment pas bien. Mais en fait, vous ne savez pas si c'est vraiment vous ou si c'est pas vous. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que des fois, on se sent mal, hein, c'est le fameux « je sais pas ce que j'ai ». Mais des fois, ça n'a rien à voir avec nous, en fait. Globalement, on est quand même assez aligné, c'est tranquille, il n'y a pas de choses majeures dans notre vie. Mais en fait, les vibrations autour de nous sont tellement denses, hein, sont tellement lourdes, qu'en fait, on se fait complètement faucher par les énergies environnementales. Donc, le but de ce soir, c'est de vous aider à tenir, en fait, dans la tempête. Vous voyez, comme le jonc qui plie, mais qui ne rompt pas. C'est de réussir vraiment à rester ancré au sein un petit peu de ce chaos vibratoire environnant. Et tout cela en augmentant en fait ces vibrations. Et pour augmenter ces vibrations, eh bien, à la fois une histoire de plan vibratoire, hein, de fréquence vibratoire et de taux vibratoire. Donc en fait, c'est une histoire de qualité et de quantité. En sachant qu'en fait, la qualité et la quantité augmentent en général en même temps. Là, je fais aussi des formations pour apprendre à utiliser le pendule et on apprend la différence justement entre le taux et le plan vibratoire. Mais quand on fait des tests, en fait, si on prend deux personnes par exemple, si son plan de fréquence vibratoire est très proche du niveau émotionnel, hein, qu'elle est très prise par une émotion, eh bien son taux vibratoire va quand même être bas. Alors que quelqu'un qui va plutôt sortir de méditation,
avoir une fréquence, on va dire, vibratoire plus proche de celle de son âme dans la vie courante, va naturellement avoir un taux vibratoire plus important. Hein. Donc, c'est quand même relié. Mais on va parler des deux ce soir. Donc, quelle est la différence, en fait, chaque niveau de conscience, en fait, hein, chaque plan vibratoire, c'est comme une fréquence radio, ok ? Donc, il y a la fréquence du corps, ok ? Le corps physique vibre à une certaine fréquence, voilà, c'est la radio du corps. Puis ensuite, il y a les émotions, la radio des émotions, beaucoup plus chamboulée, celle-là. La radio du mental, en général, c'est celle qui est saturée, vous savez, vous avez du mal à la trouver, là. ça, il y a plusieurs voix qui parlent en même temps. La bande de fréquence un petit peu entre deux. Ensuite, il y a la fréquence relationnelle, hein, liée à notre environnement, aux liens, aux personnes avec lesquelles nous interagissons. Puis la radio intuition et la radio vraiment de l'âme et du soi, qui sont vraiment les plans subtils les plus... Eh bien, en fait, elle va avoir du mal à passer, en fait, à réussir à rentrer complètement dans notre aura, dans nos champs vibratoires et qui plus est dans notre corps, ok ? Donc, il faut à la fois savoir se brancher haut et nettoyer les fréquences inférieures, ok ? Ouais, après, on est au bon endroit, on est sur le canal de l'âme, donc on est déjà bien branché. Exactement. Toutes les personnes qui sont là ont déjà un net avantage. C'est qu'elles savent que l'âme existe. Que l'âme existe, ouais. Et juste, il commence à y avoir des réactions dans le chat où effectivement les gens, nos auditeurs témoignent effectivement de ces hauts et de ces bas énergétiques. Et comme je sais que tu vas parler du corps, mais je te la pose tout de suite parce qu'après, des fois, il y a plein de questions et ça me paraît intéressant. Il y a Corinne qui demande, est-ce qu'on peut avoir de très fortes vibrations et une santé physique très moyenne ? Est-ce que les deux sont compatibles à ton avis ? Alors en fait, l'histoire, c'est que au niveau de la qualité vibratoire, enfin je veux dire de la fréquence, effectivement, on peut être très branché spirituellement et pas forcément avoir un corps en bon état. Là, c'est plutôt la qualité énergétique. Après, au niveau de la quantité vibratoire, en fait, ça va dépendre où passe l'énergie, ok ? Et on peut très bien avoir les corps subtils extérieurs énormément gonflés d'énergie et en fait plein de, comment dire, de zones de saturation, des difficultés de circulation au niveau vraiment des couches denses proches du corps physique. Donc oui, du coup, pour répondre à ta question, c'est possible que des fois on soit dans des hautes fréquences, on va dire vibratoires spirituelles, mais le corps physique n'en bénéficie pas. C'est pour ça que je vous dis que ce soir, la clé en fait, c'est à la fois de se brancher à l'âme et à la fois de nettoyer tous les différents niveaux de l'être. Hein, le grand tort en général de toutes les personnes qui avancent sur le chemin spirituel, c'est à un moment donné de ne s'occuper plus que de ça. Alors à la fois c'est quelque chose de tellement énorme et c'est vraiment pour moi clairement ce qui nous fait avancer, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas s'occuper des niveaux en dessous, parce qu'à un moment donné on va toujours trouver une limite du coup en fait. Et si on veut que le corps et notre santé générale en bénéficient, ben, c'est bien de travailler sur tous les niveaux. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire si ça manquait de clarté, s'il vous faut encore plus d'informations. Donc juste pour revenir, avant de partir sur les six niveaux de l'être, à quoi va nous servir d'avoir une fréquence vibratoire haute, donc une qualité haute ? Ça va nous servir pour nous brancher sur certaines qualités vibratoires autour de nous. Donc, si on se branche globalement plutôt sur la radio de l'intuition et de l'âme, du coup, toutes les vibrations basses de la peur, du mental compliqué, hein, c'est tout ce qui est en chaos en ce moment, quelque part, on passe au-dessus. Okay, on passe au-dessus, donc on va réussir, en fait, à passer, vraiment, c'est ça, c'est au-dessus ça fait comme un brouillard, en fait, hein, énergétique. Donc ça va être vraiment important. Après, le côté puissance vibratoire, taux vibratoire, ça c'est une question plutôt de quantité, d'aider premièrement à avoir un impact, d'accord, dans notre entourage. Donc ça va aussi du coup à nous aider au niveau de nos relations, c'est-à-dire qu'on va pas être moins dépendant des énergies d'autrui. Et ça va nous aider à durer dans le temps, en fait. C'est une question de persévérance, de performance, qui va nous permettre
Bien, par exemple, si vous méditez une demi-heure, vous êtes sûrement rechargé en énergie. Et plus la quantité vibratoire aura été forte, plus la sensation de la méditation va perdurer dans le temps. Alors que s'il y a un tout petit taux vibratoire, et bien en fait, on sort de la méditation et on est déjà à sec, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et important de travailler sur les deux plans. Est-ce que vous me voyez toujours? Parce que là, j'ai un petit signal, apparemment. Alors, normalement, je pense... Ah non, on a perdu Maëlie. normalement, je pense que les auditeurs doivent te voir. Sinon, tu peux rafraîchir ta page. Allez, elle va revenir tout de suite. Regardez, hop, c'est la magie d'Internet. Elle est partie, hop, et la revoilà. Me revoilà. Voilà. Bon, super. Mm. Donc voilà, donc maintenant, vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer sur les 6 niveaux de l'être pour qu'on voit un petit peu quelles sont les fuites énergétiques les plus courantes et comment y remédier? On est prêts. Magali, on est prêts. On a les rames, on est dans le bateau, on est prêts. Ouais, ça c'est génial. C'est super. Alors, justement, il y a Cécile, mais je pense que tu vas nous en parler après, mais qui demandait comment est-ce qu'on mesure ces taux vibratoires. Mais j'imagine que tu vas nous en parler peut-être. Ah, ben voilà, le pendule. Alors, il y a... Enfin, c'est là... Après, moi, ce soir, ce que je vais vous engager à faire, c'est à ressentir, en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas le pendule, vous n'allez pas, là, en 10 minutes, apprendre à le maîtriser. C'est pas possible. Mais en fait, on sent vraiment notre plan vibratoire, notre taux vibratoire, tout simplement en se connectant à notre corps. Notre corps, c'est vraiment notre temple, c'est lui qui nous donne les meilleurs indicateurs. Quand on est tout simplement fatigué, qu'on a des idées noires, qu'on se sent un petit peu recroquevillé, en fait, vibratoirement, en général, on a un plan et un taux beaucoup plus faible. Quand on élève nos vibrations, il y a vraiment une sensation d'expansion, il y a comme un, vous voyez, un tout petit sourire qui se fait naturellement sur vos lèvres, vous vous sentez dilaté au niveau du champ. C'est ça le plus important pour vous, c'est d'utiliser vos ressentis. Après, évidemment, si vous savez vous servir d'un pendule, il y a des planches sur les plans vibratoires et les taux vibratoires, et là vous pouvez régulièrement penduler sur vos planches et vérifier où est-ce que vous en êtes. C'est les unités. Ah, hop, elle revient. sur les planches, c'est les unités Bovis qu'on retrouve? Oui, c'est ça. Il y a des planches avec les unités Bovis et des planches sur les plans vibratoires liés aux différents niveaux de l'être. Après, chaque radiesthésiste, pendule, travaille sur des planches différentes, mais... On peut même aussi, moi j'aime bien travailler aussi avec notre taux, on va dire, moyen. on peut mesurer où est-ce qu'on en est de notre plan vibratoire moyen. Ça nous permet d'avoir une jauge sans forcément connaître exactement les unités. Est-ce que tu es revenu parmi nous? Tu es là? Tu es avec nous? Voilà, donc j'espère que... Mais ça, c'est le problème d'avoir des vibrations. Oui, oui, je... Ça fait bugger l'ordinateur. Je fais Internet. Je fais tout. C'est vrai que la connexion n'est pas excellente ce soir, mais en même temps, c'est toujours intéressant ces histoires de connexion qui marchent ou qui ne marchent pas. C'est toujours un peu en lien avec la conférence, c'est toujours un peu en lien avec ce qui est en train de se passer. Donc j'ai envie de dire, est-ce que tout le monde a envie d'élever son taux vibratoire? Est-ce que tout le monde a envie de monter ses vibrations? Et en montant tous nos vibrations, on fera en sorte que la connexion Internet soit meilleure. Tu es de retour. Est-ce que tu es avec nous? Je suis de retour, mais c'est vrai que je ne suis pas chez moi. Là, je suis en déplacement, donc j'ai... Oh, mince. Alors, cela dit, c'est vrai que c'est pas parfait de ne pas avoir l'image, mais le son est bien aussi. Ouais, vous m'entendez? Je peux continuer à parler ou pas?
Moi, je pense que oui, hein, nos auditeurs peuvent nous dire, mais on t'entend très bien, et du coup, l'image reviendra quand elle reviendra, et au moins, on aura tous tes ouais. enseignements. Ah, Nadine qui dit, peut-être que tout le monde est très haut, justement, en termes de vibration, et c'est ce qui fait bugger. peut-être, c'est ça. Peut-être on vibre trop haut, Magali, on est tous avec toi, et on vibre trop haut, et du coup, on fait bugger Internet. Bah écoutez, on va parler par télépathie, on va faire cette conférence par télépathie. Voilà, moi je dis faisons ça et puis l'image reviendra quand elle reviendra. Oh, si oui, il n'y a pas de souci, je pense que l'audio est plus important que le visuel. Ok, en tout cas, tu me dis si à un moment donné on ne m'entend plus, tu me dis stop. Tout à fait. Donc, on va petit à petit, ce soir, ben, remonter les différents niveaux de l'être, donc en partant du physique, du plus dense, jusqu'au plus spirituel. Et c'est au moment où on arrivera au plus spirituel que je vous proposerai ben, un soin pour justement faire descendre les énergies dont on a besoin ce soir pour augmenter nos taux et plans vibratoires. Donc, au niveau physique, eh bien, sur quoi on peut s'appuyer, en fait, hein, de quoi le corps a besoin ? Eh bien, il a besoin évidemment d'oxygène, hein, de respiration, d'alimentation et de mouvement. Donc, en fait, ça va être les trois niveaux sur lesquels on peut agir. Donc là, ce soir, je vais vous parler plutôt de la respiration et de l'aspect physique. On traitera l'alimentation dans les ateliers parce que c'est bien d'être un peu plus spécifique et de vérifier en fait avec chacun des auditeurs quels sont les aliments qui lui sont plus favorables en fonction de son propre terrain. Mais là, on va parler de généralité et du mouvement et de la respiration. Alors, quelles vont être les fuites au niveau en fait du corps humain physique, les fuites énergétiques qui vont bloquer nos vibrations. Ça peut être effectivement des fuites tout simplement liées à des blessures, liées à des. On a plein de canaux en fait énergétiques dans notre corps qui circulent et qui peuvent être brisés. Mais la majeure partie, en fait, proviennent des organes qui sont encrassés. Les organes, ils sont encrassés au niveau physiologique, hein, et en fait, il va y avoir toute une gangue, en fait, de pollution énergétique autour de l'organe, et tout ça, ça va énormément ralentir les énergies, le fonctionnement du corps, et donc, ça va être un obstacle, en fait, à recevoir les énergies. Donc, on va pouvoir, eh bien, d'abord, effectivement, respirer et s'oxygéner. Donc, pour s'oxygéner, ce que je vous recommande, c'est de faire une respiration où il y ait 4 temps pour monter. Donc, on respire sur 4, 1, 2, 3, 4. Et on reste ensuite 16 temps, donc 4 fois 4 en l'air. Ok, donc, c'est-à-dire avec les poumons pleins. Et ensuite, on redescend sur 8. Ok ? Ça, c'est une des techniques de respiration qui permet une grande oxygénation. Ok ? Alors, vous pouvez aussi tenter dans l'autre sens, c'est-à-dire faire 16 une fois que les poumons sont bien vidés. Et ça, quelque part, ça force un petit peu les alvéoles pulmonaires à s'ouvrir en grand et à faire récupérer l'oxygène. Donc, ça, c'est très, très important. En dehors du fait qu'en plus, la respiration, elle agit sur tous les différents niveaux de l'être. Elle nous permet de calmer les émotions, calmer le mental, se calmer quand on a un conflit relationnel, nous permettre de nous connecter à nos intuitions et de méditer. Donc ça, c'est vraiment une clé qui aide vraiment tous les différents niveaux de l'être. Ouais, et juste pour demander, Magali, tu dis donc 4 temps à l'inspire, 16 temps pour mon plein et 8 en descend. Et après, tu disais, on peut faire 16 temps comment ? À poumon vide. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on fait 1, 2, 3, 4, on ne respire plus pendant 16. Ouais. Pendant 8, on souffle, donc on a les poumons vides, et là, on peut à nouveau rester 16. Ah, d'accord. Avant de reprendre. Avant de reprendre, ouais. Et d'ailleurs, souvent, quand on a peur, en fait, on arrête de respirer. On se rend compte que quand on est figé, on ne respire plus, quoi. Ça ne marche plus le corps, ouais. Oui, exactement. La respiration, c'est vraiment un élément régulateur de tous les niveaux. Et donc, de récupérer la main, de remettre de l'élan de la respiration, ben, ça agit au niveau de l'oxygénation du corps. Donc, ça, c'est vraiment au niveau physiologique. Mais ça nous permet aussi de gérer les émotions, le mental et tous les différents niveaux. Donc, très, très important. Il y a aussi la cohérence cardiaque qui est un super outil de respiration, surtout que maintenant il y a des applications sur Internet qui nous permettent, on va dire, de le faire sans trop réfléchir, parce que là il faut compter. Donc pour certaines personnes, selon le contexte dans lequel elles le font,
c'est pas forcément évident. Donc il y a des petites applications. Donc là, c'est pas tout à fait le même but, c'est pas l'oxygénation, mais c'est effectivement de remettre le cœur en harmonie avec avec le reste du corps. Donc il y a aussi de bons effets bénéfiques et ça va donc calmer le corps. C'est-à-dire qu'on va rendre la radio corps physique, en fait, voilà, calme, sans grésillis, et elle va pouvoir donc laisser passer les vibrations les plus hautes. Ce qu'il ne faut ne pas négliger aussi, c'est le mouvement. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu plus empêché, on va dire, dans cette période de faire un mouvement en nature, parce que c'est quand même l'idéal, hein, c'est de pouvoir bouger dans un endroit où il y a plus d'oxygène. Enfin, moi, en plus, habitant une grande ville, j'essaie de m'éloigner quand même des grandes pollutions pour un petit peu, ne serait-ce que marcher, hein. On peut faire une marche soutenue, un petit footing, ça va dépendre de notre état de santé, de notre motivation. Mais voilà, ce qui est chouette avec tous les mouvements qu'on va faire, plus de 30 minutes, après ça pourrait être de la danse aussi, ça va générer des endorphines dans le corps, ça va apporter un bien-être. Et comme je vous l'ai dit, la réception des énergies hautes, c'est vraiment sur un terrain détendu. Donc le but, c'est vraiment de détendre le corps. Le corps, une fois qu'il est tout calme, en fait, il peut coopérer avec le reste des dimensions de l'être humain. Tant qu'il est tendu, tant qu'il est verrouillé, tant qu'il est chargé de plein d'énergie stagnante, eh bien en fait, il va pas réussir à recevoir les énergies qui viennent d'en haut. Donc ça va être vraiment à mettre dans votre quotidien. D'ailleurs, je suis curieuse, si vous faites déjà des exercices respiratoires, des mouvements réguliers, ben n'hésitez pas à nous partager dans le chat quelles sont vos pratiques. Ça peut toujours inspirer les uns et les autres. Ensuite, on va passer au niveau émotionnel. Donc, évidemment, notre corps physique est souvent perturbé par les émotions. On commence par vraiment le corps physique, c'est le réceptacle de toutes les perturbations des niveaux supérieurs. Okay. Donc, du coup, pour aider le corps physique, il va falloir aussi aider le niveau au-dessus, qui est le niveau émotionnel. Donc, quand est-ce qu'on va perdre en vibration ? À cause des émotions. Alors, d'abord, ça va dépendre de la nature de l'émotion, évidemment, mais surtout de si on la met dans le déni, ok ? Si on fait genre j'ai pas peur alors qu'en fait on a peur, si on fait genre je suis pas en colère mais en fait je suis en colère, et ça marche pour toutes les émotions, eh bien en fait on contient l'émotion à l'intérieur. Donc en fait on est en train de faire une cocotte minute d'énergie basse. Eh ben ça fait tampon, ça fait bouchon. Ça nous permet pas de recevoir les énergies plus subtiles, les vibrations hautes. Donc il va falloir se méfier du déni que nous faisons et aussi de l'entretien des émotions. Hein, vous savez qu'une émotion naturelle, elle ne dure que quelques secondes, voire quelques minutes, elle est naturellement dans le corps. Du moment qu'elle dure un quart d'heure, une heure, deux heures, ou que ça revient et ça repart et ça revient et ça repart, c'est que d'abord, on est en proie à une émotion parasite, hein, c'est-à-dire elle n'est pas naturelle, elle n'est pas en train de régler quelque chose qui a pour but de remettre le corps en homéostasie. C'est quelque chose qui est relié à notre passé, c'est une émotion parasite. Et donc là, l'idée, ça va être de ne pas l'entretenir. Okay ? Autant les émotions naturelles, on peut les laisser passer, hein, c'est normal. Si j'ai peur que mon chat se fasse écraser devant moi, évidemment, là, j'ai peur, c'est une émotion naturelle. Je vais trembler, je vais essayer justement de l'accueillir, de la laisser passer, voire même peut-être de crier parce que j'aurais eu très peur, c'est ok. Mais si à chaque fois que mon fils me dit je vais aller prendre le pain, etc., je commence à avoir peur qu'il y arrive quelque chose, qu'il se fasse écraser, qu'il nanana, là on est sur des peurs parasites. Okay. Donc là, l'idée ça va être de ne pas entretenir ni le déni, ni l'entretien de l'émotion. Donc, ça va faire vraiment des fuites énergétiques. Hein, c'est l'effet cocotte minute ou fuite énergétique dans les deux cas. Donc, comment on peut gérer ça? Donc, la première chose, c'est effectivement être en empathie. C'est-à-dire que même si le but, c'est d'arrêter une émotion parasite, il faut bien d'abord s'en rendre compte, okay, qu'on l'entretient. Donc, pour s'en rendre compte avec bienveillance, eh bien, c'est se donner de l'empathie. C'est observer, c'est accueillir, c'est dire « Waouh, ah ouais, effectivement ». Je me rends compte que j'ai encore vachement peur qu'il se passe ça, ok ? Ou alors, waouh, ça me met drôlement en colère.
Donc, c'est accueillir ce qui est, s'aider en se focalisant sur ces cinq sens. Ok, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que pour chaque émotion, j'ai un sens privilégié pour calmer l'émotion et pas l'entretenir. Ok, la colère, en général, c'est le sens du toucher. J'aime bien prendre quelque chose et, vous voyez, c'est-à-dire laisser passer la colère par le corps, la sortir, pas la garder en moi, mais pas non plus l'exploser à l'extérieur, parce que vous savez, c'est toujours le moment où on finit par dire des trucs atroces et qu'on se dit « Oh là là, pardon !» Mes mots ont dépassé ma pensée, n'est-ce pas? Donc là, au moins, voilà, je suis en contact avec ma colère, je l'accueille, ça me permet de me rendre compte de ce qui me met en colère. Donc voilà, mais là, du coup, quand je touche, je mets toute ma conscience dans mes mains. C'est vraiment, je suis pleinement présente dans ce que je touche. Et ça, vous voyez, rien que de le faire, moi, je suis pas particulièrement en colère, hein, mais même sans être en colère, d'ailleurs, si vous avez quelque chose de doux et de moelleux à côté de vous, allez-y, prenez quelque chose, vous pouvez le faire vraiment avec moi. Vous voyez, tout de suite, ça calme, en fait. Ça pose. Et dès que vous sentez que vous vous remettez au centre, que vous êtes posé, les vibrations s'élèvent. C'est vraiment... voilà. Après, avec la peur, moi, ce qui marche bien, c'est plutôt l'olfaction. J'ai des petites huiles essentielles chouchou, notamment l'eucalyptus chez moi. Et donc, si je sens qu'à un moment donné, il y a des peurs un peu irrationnelles, des choses qui me... Eh bien, j'ai 2-3 tubes d'huile essentielle et... Voilà, pareil, respiration, mais en m'aidant du signal olfactif, en fait, qui va me permettre de me poser. Donc, vous pouvez aussi partir en quête un petit peu des odeurs qui vous font du bien. Et c'est vrai que, par exemple, l'eucalyptus, le pin, ce sont des huiles essentielles qui ouvrent les poumons, en fait. Donc, ça permet vraiment d'amplifier la sensation de respiration, de laisser se traverser... l'émotion. J'utilise plutôt la musique, le son, ok, parce que dans un premier temps on peut mettre des musiques qui vont nous permettre de vivre l'émotion, hein, parce que des fois on a besoin quand même de le vivre, d'être connecté, donc on va plutôt prendre des musiques mélancoliques. Et puis après, ben voilà, on peut se mettre une musique beaucoup plus joyeuse. En général, la musique joyeuse, ça va nous mobiliser aussi notre corps, et hop, comme ça on va traverser l'émotion. Donc, je vous invite vraiment à expérimenter un petit peu quels sont les sens auxquels vous pouvez vous connecter pour réussir à traverser les émotions et à faire en sorte qu'elles ne soient pas l'obstacle à vos plus hautes vibrations. Voilà, j'ai fait un petit aller-retour pour retrouver l'image. Nous revoilà. Ça va, il n'y a pas de questions, Muriel, sur les aspects physiques et émotionnels qu'on a abordés? Alors, pour l'instant, pas encore. Tu sais, il y a un petit temps de décalage avec le chat. Mais par exemple, tu vois, il y avait des témoignages sur les pratiques corporelles qui faisaient du bien. Super. Et donc, Nadine avec le Qigong, Patricia, le Qigong et la randonnée, Sabine, le yoga Kundalini, Myriam, super, le yoga, qui dit que le yoga est top. Ouais. Le Qigong encore, beaucoup de Qigong, hein. Donc, Ah. Oui, c'est super, hein. Énergie et mouvement. Le yoga, c'est pareil, il y a à la fois la respiration, les postures, le corps. Bon, il y a différentes pratiques de yoga, mais en gros, il y a toujours un mélange quand même de respiration et de posture corporelle qui permettent vraiment, voilà, une détente en profondeur et une connexion, c'est super. Après, c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur le fait d'associer une émotion à un sens. C'est-à-dire que c'est vrai, des fois, quand on est en colère, on pourrait imaginer qu'on a envie de taper sur quelque chose ou de malaxer quelque chose, mais vraiment de se dire, voilà, quand je suis en colère, je malaxe quelque chose, et puis quand j'ai peur, donc là, toi, c'était par les odeurs, enfin, d'associer une émotion à un sens, comme ça, c'est intéressant, je trouve, et peut-être que ça peut aussi permettre de, justement, moins perdre les pédales quand ça nous arrive, de se dire, on a peur, au lieu de se dire, qu'est-ce que je fais, vite, hop, mon petit flacon d'huile essentielle ou mon petit flacon de parfum que j'aime bien, et voilà, et ça repose. Je trouve que c'est une bonne boîte à outils. C'est une bonne remarque. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'aime bien accompagner les gens à se reconnecter à leur corps, parce que notre corps, on est tous branchés à lui. Il est essentiel pour notre bien-être. Et c'est vrai qu'il peut vraiment beaucoup plus nous aider finalement que ce qu'on croit. Et nos cinq sens sont là pour ça. Oui, je vois effectivement passer que Corinne utilise la camomille romaine, Joss le petit grain bigaradier.
Oui, c'est ça. La camomille romaine va calmer en plus le système nerveux. Donc, ça peut être une. Si on aime l'odeur, hein, je pense qu'il faut vraiment le côté plaisir en premier lieu. C'est vraiment, il faut que ça nous fasse du bien. Et si en plus, bah, évidemment, il y a, comment dire, la propriété qui va bien derrière, là, c'est magnifique. C'est et tu vois, Juliette qui parlait de musique et qui dit je trouve que Mozart aide à faire remonter l'énergie. Voilà, c'est ça. Je crois que. Bon, il y a clairement des musiques qui ont une plus grande qualité vibratoire que d'autres, quand même, hein, on va dire. Mais après, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui nous correspond, quoi. Parce que ça va rentrer aussi en vibration avec ce qu'on est. Donc, il y a des personnes qui vont plutôt avoir besoin d'être élevées, je vais vraiment dire. D'autres qui vont plutôt avoir besoin de sentir la puissance, en fait, dans leur champ, parce que ça va dépendre de la vibration de leur âme. Donc, c'est chouette quand on peut se rendre compte comme ça. Et bien qu'il y a certains types de musique ou de compositeurs qui nous conviennent bien, quoi. Donc, c'est super. Et il y a Marie qui parle des fleurs de Bach aussi. Oui, effectivement, les fleurs de Bach. Donc là, on est vraiment dans un outil thérapeutique tout à fait adapté. On peut prendre le Rescue, évidemment, si on n'a pas de connaissances particulières dans les fleurs de Bach. Mais là, on sort de l'exploration des cinq sens. Mais on est effectivement dans un outil qui est tout à fait... utile et reconnu, en effet. Ah ouais, super. Donc, du coup, nos émotions, elles sont perturbées à cause de quoi ? Eh bien, par l'étage au-dessus, par la radio du mental. Donc, maintenant, il va falloir aussi qu'on aille un petit peu voir qu'est-ce qui se passe du côté psychique, du côté du mental. Donc là, qu'est-ce qui va nous perturber ? Qu'est-ce qui va faire qu'il y a des fuites énergétiques qui nous empêchent de complètement rayonner nos hautes vibrations ? Eh bien, évidemment, ça va être les pensées incessantes, hein, dans les plus courantes, hein, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans cette sphère-là, mais en gros, c'est les pensées incessantes, vraiment les choses qui tournent en boucle. Ça, c'est vraiment, ça bloque la circulation. Le mental compliqué, c'est-à-dire au lieu de faire les choses très simples, par exemple, j'ai faim, je me fais à manger, il faut faire ça, je le fais, enfin voilà, on a une capacité incroyable à se compliquer la vie, hein. Mais si je fais ça, mais peut-être que ça, mais alors du coup, mais elle va peut-être penser que. Alors, faudrait. Mais alors, je vois pas du tout de quoi tu veux parler, Magali. Ça ne concerne pas. Ni toi ni moi. Ça, c'est sûr. Mais les autres. Les trois quarts des humains, je suis pas sûr. Ça ne fonctionne pas comme ça, quand même. Je sais que ça existe. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler ce soir. Il paraîtrait que peut-être. Voilà. Certains êtres humains seraient sensibles à ce bug, en fait, du mental. Je connais pas. Voilà. Et donc c'est pas évident en fait parce que c'est lié à notre conditionnement. On nous a malheureusement pas élevé dans quelque chose où justement on écoute notre corps, on s'apaise, on utilise notre discernement pour observer la situation calmement et action. Ok. Le mode réception de l'être humain, on n'est absolument pas. On en parlera au niveau de l'intuition, accompagné là-dedans. Donc, on est toujours en mode émission, en fait. On nous apprend à fonctionner qu'avec notre mental. Donc, à force d'émettre, sans avoir d'informations qui vont nous permettre de rééquilibrer et du coup de simplifier, eh ben, on part dans tous les sens. Okay, et puis, il y a aussi quelque chose bon, qui est un peu lié aux pensées incessantes, mais on va dire plus spécifique, c'est le critique intérieur. Alors là, celui-là, il nous fait perdre beaucoup d'énergie. C'est vraiment, il arrive avec ses petits ciseaux là, clac, 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 clac. Il aime bien un petit peu s'aborder toutes les idées, toutes les choses qu'on a envie de mettre en place, justement toutes les bonnes résolutions, vous voyez. Ouh, bah maintenant je vais me mettre à méditer 10 minutes par jour, ça va élever mon taux vibratoire, etc. Puis hop, la petite critique intérieure qui va venir. Oui, mais tu sais qu'il faudrait que tu fasses ça. Oui, mais est-ce que tu es sûr que. Enfin voilà, c'est toutes les petites voix à l'intérieur de nous. Donc là, en atelier, je vous apprendrai, il y a différents exercices qu'on peut faire pour apprendre à rentrer en contact avec ce critique intérieur et hop, à l'envoyer bouler sur le côté quand il nous énerve. Mais là, ce qui est important de se rendre compte, en fait, c'est que le mental est super utile. Moi, je l'adore. Le but, c'est qu'il devienne votre meilleur ami. Mais souvent, il est plutôt notre ennemi que notre meilleur ami parce que il n'est pas sous notre contrôle, c'est lui qui nous contrôle. C'est là où ça va pas, vous voyez ? Donc le mental, il est fait pour se déclencher quand une idée arrive des plans supérieurs, d'accord. Alors là, le mental est intéressant. Moi, si par exemple il me vient une inspiration, hein, je vois des couleurs, je vois des images, ben, c'est intéressant qu'après le mental récupère et touc, 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 touc,
élabore, ok, analyse, se disent, tiens, comment je pourrais le mettre en place et tout ça. Là, c'est ok. Le mental, il va se déclencher aussi quand il y a un problème réel présent. C'est normal. Mince, c'est l'heure de manger, boum, il faut bien qu'il y ait un mental à un moment donné qui dise qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, combien on est de personnes à manger, qu'est-ce qu'on fait à manger. Mais le problème, c'est que le mental, il se met sur on absolument tout le temps. On ne connaît pas le bouton. Hop, je l'ai remis. Non. Alors, je vais... Tadam, est-ce que le son est revenu? Moi, je t'entends pas, Muriel. Alors, je me demande s'il ne fait pas trop chaud dans l'endroit où je suis. Peut-être enlever, vous me verrez peut-être moins, mais ça chauffera peut-être moins, non? J'ai l'impression que tout mon matériel surchauffe, en fait. Allô, allô? Alors, Magali, est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Ah, super, super. Donc, nous, on t'entend aussi. D'accord. On t'a perdu au moment où tu disais justement le mental coupe. Et c'est à ce moment-là, on s'est dit, bah, super illustration, c'est à ce moment-là que ça a bougé. D'accord, le mental coupe. Coupe oui. Des carottes. Tu sais, tu étais en train de nous raconter l'exemple où le mental reçoit des images et puis ensuite il peut... à travers ces images, il peut refabriquer des choses, mais qui trottaient tout le temps dans la tête. Et qu'à un moment donné, fallait réussir à le mettre sur off. Qu'on en avait besoin de ce mental, mais qu'il fallait le mettre sur off. D'accord. Alors D'accord. Vous avez entendu quand j'ai parlé du passé et du futur? Non, on n'a pas entendu ça. D'accord, ok, donc c'est à ce moment-là. Ouais. Ok, donc je disais que... on était souvent perturbé du coup par des problèmes qui venaient du passé ou du futur. Voilà, ok. Ok. Alors que le mental, il est fait pour traiter en premier lieu les problèmes de l'instant présent. Après, tout ce qui est passé, futur, évidemment, ça va être des moments d'introspection, de prévision, et c'est ok. Mais souvent, dans l'instant présent, on va gérer à la fois les choses de l'instant présent, plus les choses du passé, plus les choses du futur. Il y a une espèce de conglomérat en fait d'informations dans le mental, et c'est pour ça qu'il surchauffe et il bug. On a du mal à traiter les choses séparément. Donc là, vraiment, ce qui va être important, c'est d'apprendre à maîtriser notre mental et à dire stop. C'est-à-dire que quand on voit les pensées arriver du genre « mince, qu'est-ce que ma mère va dire parce que je ne sais pas trop quoi ?» Vous voyez, des choses qui nous reviennent du passé. Ou d'un coup, il vous revient qu'il faut que vous passiez votre permis de conduire et ça vous remet des émotions. Ça ne sert à rien puisque ça ne vous permet pas de vous préparer au futur ni de régler le passé. On est bien d'accord, on n'est pas dans un moment d'introspection, de thérapie ou de compréhension liée au passé, ni en train de se préparer tranquillement à son examen. Donc là, dans ce cas-là, il faut vraiment apprendre à dire stop. Et je peux vous dire, c'est juste incroyable, surtout quand on l'accompagne d'un travail en méditation. Quand ça arrive, de le voir, en fait, dire stop. Et vraiment, comme si on parlait à son cerveau, quoi. Comme si on parlait à son mental. Et on dit, je ne veux plus que tu m'amènes cette pensée, en fait. C'est pas maintenant. Tu me la resserviras quand on voudra la traiter. Mais là, maintenant, je m'occupe du repas, des enfants,
de mon instant présent. Ok ? Donc j'espère que vous continuez à m'entendre pour qu'on puisse passer ensemble. J'ai peut-être mettre mon ordinateur sur quelque chose, voilà. Pas trop. On t'entend très bien, Magali. Bon, c'est super alors. On va passer au niveau suivant, qui est le niveau relationnel. Alors là, on en parle souvent un petit peu moins, et pourtant il est essentiel. Moi, c'est vraiment un niveau de l'être humain sur lequel je travaille énormément en soins, lors des séances, parce que en fait, il faut savoir qu'au niveau vibratoire énergétique, nous sommes reliés à toutes les personnes avec lesquelles nous entretenons des liens. Alors évidemment, il y a plein de liens super intéressants, sympas, des liens d'amour, des liens de connexion, des liens d'empathie. Mais il y a quand même certaines personnes avec lesquelles on entretient des liens, si ce n'est toxique, là ce serait vraiment le voilà l'extrême, des liens qui vont nous handicaper. Et alors là, c'est des grosses, grosses pertes d'énergie. Ou parce que on essaie en fait de récupérer des informations, c'est-à-dire d'être en lien avec certaines personnes. Donc il y a toute une part de notre énergie quelque part qui traverse les liens et qui va en direction de la personne. Et du coup, ben, qui ne viennent pas à nous. On sait pas. Là, je parle. Du coup, il n'y a pas d'échange. Hein. C'est nous vers la personne. Et c'est pas ok. C'est pas juste. Et ben, ça peut être aussi qu'on est parasité par des énergies venant de l'extérieur et qui du coup perturbent nos champs vibratoires. Donc vraiment. Notre environnement et en particulier nos relations peuvent vraiment être de grosses fuites énergétiques qui nous empêchent d'élever totalement nos vibrations. Donc là, ça va être quoi la solution? Ça va être quoi le plus important? Eh bien, c'est de vraiment bien s'entourer en conscience. Okay. Alors après, on verra dans l'atelier qu'il y a aussi des techniques pour couper les liens énergétiques et toxiques pour voilà faire un petit peu de place concrètement, mais déjà le premier pas, ça va être de dire par qui je suis entourée, quel est mon environnement. Et vous savez qu'il y a une étude qui a sorti que nous étions en gros, pour faire schématique, le résultat des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont appris et ont fait des changements dans leur vie et s'en sont rendus compte, mais moi je m'en suis vraiment rendu compte. Il y a vraiment eu un avant et après. J'ai eu une première partie de ma vie où j'étais avec mes anciens amis, voilà, du primaire, enfin voilà, de l'école et tout ça. Et puis j'ai commencé à changer de milieu en fait, à ne plus côtoyer les mêmes personnes. Et c'est vrai que c'est incroyable parce qu'en fait on est tous reliés vibratoirement, énergétiquement, au niveau relationnel. Et donc évidemment, si les personnes qu'on côtoie, eh bien elles nous poussent vers le haut, c'est-à-dire elles nous soutiennent, elles nous apportent de l'empathie, de la compréhension. C'est des personnes pleines d'énergie qui partagent nos centres d'intérêt. Ben vous voyez, ça nous soulève comme une montgolfière, quoi. Alors que si on est avec des personnes qui croient pas en nous, qui sont sans arrêt en train de dire « Mais qu'est-ce que tu fabriques avec tes histoires d'âme et d'énergie et de talismans et de… » Enfin, voilà, comme vous pouvez sûrement en croiser, vous qui êtes ici au sein du canal de l'âme et voilà, conscient de tous ces plans subtils, mais on n'est pas entouré que de gens comme ça, avec des gens qui n'y croient pas, mais qui sont très tolérants et qui vont pas du tout nous emboucaner, comme on dit par chez moi. Mais il y a vraiment des personnes qui ont du mal à ce qu'on croit comme ça et elles vont venir nous étouffer en fait au niveau vibratoire et donc ça va énormément peser. Donc c'est toujours intéressant de se dire… Quand tu dis donc les personnes qu'on côtoie le plus, est-ce qu'on s'extrait du cadre familial? Parce qu'a priori, les gens qu'on côtoie le plus, c'est notre famille. Donc est-ce que c'est en dehors de la famille ou est-ce que tu inclus la famille dans ces 5 personnes? Alors là, il faudrait relire la. J'avais juste retenu le chiffre 5. Il faudrait relire l'étude si justement elle incluait le conjoint. Enfin, c'est surtout le conjoint et les enfants, parce qu'après nos parents, logiquement, enfin, sauf si on vit encore chez eux, on n'est pas censé les côtoyer plus que des amis. Ou... Mais je pense que c'est plus une question effectivement de temps et de partage conscient. D'accord. Des fois, comment dire. Oui, ben il y a quand même une question de temps. Donc évidemment que le conjoint, si on vit ensemble, va forcément faire partie de ces 5. Après, les enfants, je ne sais pas. C'est vrai que ça serait une bonne question s'ils sont inclus dans ces 5 ou pas. Mais si on les incluait en partant du principe que je crois que c'est 2,1 enfants par famille en France.
Donc, à peu près deux enfants. Deux enfants plus le conjoint, ça fait trois. Donc, ça veut dire quels sont les deux meilleurs amis, enfin, les deux personnes ou les collègues de travail avec qui on est, quoi. Et déjà, rien que ça, ça peut vraiment être très, très fructueux. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui, alors évidemment, le conjoint, hein, souvent, ça peut être compliqué. Mais il y a des personnes qui voient aussi beaucoup leurs parents, beaucoup plus que des fois leurs amis. Et parfois, ben, ils arrivent à un moment de leur vie où ça peut être important de moins les voir. Okay, parce que c'est justement, c'est s'autoriser en fait à changer de sphère, à changer de plan vibratoire. Hein. Nos parents, ils ont été là pour nous aider à, ben voilà, déjà à survivre, après si possible à vivre et à se développer jusqu'à l'âge adulte. Après, on entretient avec nos parents des relations si ce sont des relations épanouissantes. Sinon, nous n'avons pas d'obligation à entretenir des relations soutenues avec des parents qui, malheureusement, parfois, peuvent être vraiment toxiques pour l'individu. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais il faut retrouver l'origine exacte de la publication pour savoir si c'est enfant inclus. Mais le conjoint, ça, c'est sûr. Hein. Donc voilà, ça, le niveau relationnel, hyper, hyper important. Donc, je serais voilà, contente de voir si dans le chat, vous sentez en fait s'il y a des relations que vous imaginez qui puissent un petit peu ben, contrarier en fait vos plans vibratoires en vous densifiant, en vous prenant de l'énergie. Hein. Des fois, on se sent vidé en présence de certaines personnes. Hein. Bah, alors, tu vois, il y a Vanessa qui dit alors ceux qu'on côtoie le plus, ce sont les collègues, et là, on n'a pas trop le choix. Ben, après, on n'est pas obligé de s'impliquer avec nos collègues. Il y a des choses qu'on est obligé de faire, c'est-à-dire ça, c'est vraiment le concret, mais on n'est pas obligé de s'impliquer émotionnellement et dans le lien avec eux. C'est bien différent. On peut très bien voilà, garder des relations cordiales, bienveillantes, mais pas, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment une attitude en fait. Ok. Mais après, ben oui, évidemment. Après, il y a parfois des personnes qui arrêtent leur job parce que justement, c'est même très courant. J'ai pas mal de personnes qui viennent pour des reconversions professionnelles me voir en cabinet. Et ben des fois, elles quittent leur travail à cause de l'ambiance, hein, à cause des personnes. Donc, on a aussi le droit de changer de job pour ça, parce que ça peut vraiment nous handicaper. Voilà, ça arrive vraiment à des niveaux voilà, qui nous empêchent vraiment d'être voilà, tranquilles, quoi. Tu vois, et Joss qui dit « J'évite de côtoyer les gens qui me bouffent l'énergie. » Voilà. Oui, mais ça, c'est vraiment hyper précieux et important hein, de se préserver de ça. Alors après, il y a effectivement tout un travail, nous-mêmes, à faire de centrage, de compréhension de nos structures énergétiques pour ne pas rentrer dans les jeux psychologiques et donc se faire bouffer l'énergie. Hein. On peut aussi travailler sur notre côté. Mais en attendant, c'est important de prendre de la distance avec les personnes qui clairement, on le sent, nous prennent de l'énergie, quoi. Okay. Mais après, il y a plein de, ça c'est passionnant. On le verra aussi dans l'atelier au niveau communication. Comment on peut aborder les gens de manière à rester vraiment cordial, bienveillant, le cœur ouvert, mais à pas rentrer dans les, dans des jeux psychologiques, des joutes verbales, des choses qui nous emmènent beaucoup plus loin que ce qu'on avait prévu au départ, quoi. Voilà. Mais bon, ça, c'est le jeu de relations humaines. Et c'est tellement important, je finirai juste là-dessus, les liens humains, pour moi, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres de liens. On a besoin d'avoir des liens nourrissants dans notre entourage. C'est la première chose que je vérifie avec une personne que je suis sur le long terme, c'est quelle est la richesse de son milieu familial et social. Il y a rien de pire que de se sentir finalement seul. On peut être très très entouré hein, par plein de monde. Hein. Souvent c'est le problème des stars justement, hein, des personnes qui sont très qui ont beaucoup de gens autour d'elles en ce moment. Avec mon cher Étienne, on se voit tous les topics, Elton John, Queen, etc. Et on voit que ces personnes très médiatiques, elles sont très entourées, mais en fait très seules intérieurement, parce qu'il n'y a pas la richesse, la profondeur du lien. C'est ça dont on a besoin. Ok. Donc c'est à ça que j'aime bien vous aider à connecter pour vous épanouir
du coup vous remplir et pareil, ben, réussir du coup à être à élever vos vibrations grâce à ce niveau-là. Donc on arrive bientôt de la fin. Nous voilà près des deux derniers niveaux, l'intuition et l'âme et le soi. Alors je les ai séparés parce que l'intuition pour moi c'est le niveau en fait de réceptivité, en fait d'écoute intérieure. Et comme je vous l'ai dit un petit peu avant, on n'a pas ou peu été éduqué en fait à développer nos intuitions. Et pourtant, c'est nos intuitions qui vont nous permettre de calmer le mental, ok ? Parce qu'elles vont nous apporter des informations qui vont poser la chaudière du mental. C'est comme si ça amenait une pluie fine et je sais pas, bienfaisante sur le feu du mental. Donc, si vous bloquez vos intuitions, c'est-à-dire que vous n'avez pas appris à être en mode réception, eh bien c'est pareil, ça va être une fuite énergétique, ok ? Parce que tout simplement, vous n'utilisez pas une partie des compétences de l'être humain. Ça fait partie du package de l'être humain d'être intuitif. Et donc, si on ne laisse pas ce canal ouvert, eh bien, on bloque l'énergie, c'est une fuite énergétique, on a du mal à augmenter nos vibrations. Donc là, évidemment, ben, la solution, ça va être d'apprendre à ouvrir, à être en mode réceptif, et donc à canaliser ben, les messages de la radio d'en dessus, qui est l'âme et le soi, ou les radios, on va dire, connexes, qui peuvent être les guides qui nous accompagnent. Donc là, ben, comment faire ça ? Eh bien, moi, l'outil que j'apprends à utiliser, c'est le tarot. Je trouve que c'est un super outil pour apprendre à se connecter à son intuition. Pourquoi ? Parce que c'est matériel. Vous avez quelque chose dans les mains. Alors, je vais en profiter, je vais sortir mon tarot. Il est là. Et donc, ce support, en fait, va nous permettre de densifier, en fait, l'information vibratoire des mondes intuitifs. Alors pour ça, par contre, il faut un tarot qui soit suffisamment élevé vibratoirement. Si vous avez un tarot qui a une vibration basse, comme c'est le cas de beaucoup de tarots anciens, tout simplement parce qu'ils ne sont plus reliés aux égrégores qui les ont créés, donc en fait, ils sont récupérés par toutes sortes d'énergies. Donc c'est important de vraiment bien choisir son support, un support qui soit vibratoire, élevé. Donc pour ça, comment faire si vous avez des tarots chez vous? Vous pouvez le vérifier. Vérifiez que vous êtes tranquille, calme, voilà, que tout va bien. Et ensuite, vous prenez votre tarot dans les mains, en fait, et vous sentez ce qui se passe dans votre champ. Si vous tombez en avant, si ça vous fait une boule, si ça vous recroqueville, ben, c'est pas bon signe. Hein. Il faut vraiment sentir que, quelque part, c'est comme si ça fait un petit ascenseur, en fait. Ça vous élève, ça ouvre le champ. Ça vous dilate, ça vous donne envie de respirer. Donc ça va être de bons indicateurs que le tarot est à lui-même une fréquence élevée. Donc il va vous permettre de capter la radio au-dessus du mental. Sinon, vous allez vous brancher sur la radio du mental. Donc ensuite, eh bien, une fois que vous avez le bon outil, eh bien, on peut l'utiliser sans question, en fait. Hein, juste le tirage du jour. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi aujourd'hui ? Quelles sont les informations intuitives qui seraient utiles que je capte ? Hop, on tire une carte. Et avant de récupérer le mental sur l'interprétation de la carte, c'est juste prendre la carte et ressentir. Ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Qu'est-ce qui me vient comme information ? Donc là, vous êtes en train de vous entraîner, en fait. C'est quelque chose de très simple qui peut être fait quotidien, qui en plus est très ludique. Et en plus, vous allez avoir la validation du tarot. Parce qu'après, vous le regardez, vous avez une information. Donc, vous allez pouvoir faire le lien entre ce que vous avez ressenti, perçu et ce que la carte vous dit. Donc, pour moi, c'est un très, très bon entraînement au quotidien. Alors, évidemment, c'est pas moi qui dirais le contraire, hein, parce que je kiffe le tarot. Mais il y a Vanessa qui demande, est-ce que c'est pareil avec les oracles ? Oui. Oui, oui, tarot, oracle. Alors, moi, c'est vrai que le tarot a une structure en fait qui est particulièrement déterminée et donc une signification. Mais un oracle, s'il a été créé dans de belles énergies, hein, vous avez l'énergie du créateur de toute façon dans le tarot, hein, du créateur et surtout des énergies qui l'ont traversé pendant sa création. C'est surtout ça. Donc ça marche tout à fait. Il y a aussi de très très bons oracles. Donc c'est vraiment. Fiez-vous à vos intuitions justement et à vos ressentis.
Et Fabienne qui demande quel tarot tu utilises toi? Alors, ben là, moi, du coup, j'utilise mon propre tarot, celui que j'ai créé, donc le tarot numérologique de votre chemin de vie, qui met en évidence 22 qualités humaines à développer sur son chemin de vie et qui nous permet de déterminer, en fait, quel est notre chemin de vie. Il est livré avec un tarot, un livret où, en fait, on va à la fois utiliser la numérologie, parce que moi, je suis numérologue et tarologue, on va dire. Donc, on fait à la fois sa numérologie, c'est un appui, un support pour sa numérologie, et après, on peut l'utiliser au quotidien pour voilà, tirer l'humeur du jour, nos intuitions comme support intuitif et d'aide à la décision aussi, ça c'est très important. Super. Voilà, après, sinon, dans les tarots que je peux recommander autre que le mien, ce serait le tarot Osho Zen, qui lui vibre bien aussi, et que j'utilise aussi parfois pour des choses plus spécifiques. Voilà. Mais j'en n'en connais pas beaucoup, beaucoup d'autres qui vibrent comme j'aime qu'ils vibrent. Donc après, je vous laisse à vos propres expériences. Mais j'ai beaucoup de clients qui me disent, ah, oh, ouais, j'utilise ce tarot, mais bof. Non, alors si vous vous dites ça, c'est poubelle, direct. Ne réfléchissez pas. S'il y a un minimum de bof ou de doute, voilà. C'est pas besoin que personne ne vous valide. Il vaut mieux le mettre à la poubelle et vous mettre en quête d'un nouveau tarot. Et dis-moi, j'ai Sabine qui dit, parce que ça rejoint un peu ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu en penses? Sabine qui dit, j'ai pour habitude d'ouvrir des livres spirituels au hasard après avoir posé une question ou demandé une guidance. Alors oui, ça m'arrive aussi de le faire. Alors après, c'est pareil, hein, dans les livres spirituels, il y a à boire et à manger, il y a du haut vibratoirement et pas forcément. Donc c'est pareil avec le livre, hein, vérifiez que c'est voilà, ça vous aligne, ça vous fait du bien. Et si c'est le cas, ben oui, moi je l'aime bien en livre de chevet en fait. Je vais pas forcément lire beaucoup avant de me coucher, mais c'est quelque chose que je recommande. Ce qu'on va faire vraiment avant de se coucher va déterminer entre guillemets le taux d'intégration, on va dire, de ce qui s'est passé dans notre journée et va nous permettre de nous réveiller vraiment avec une nouvelle conscience. Alors c'est pour ça que j'ai développé tout. D'ailleurs, ceux qui sont sur le groupe Facebook des Canals de l'âme ont pu entendre mes podcasts Coaching Lumière. Je les ai souvent relayés sur le groupe avec l'autorisation de Cédric et Narissa pour vous aider justement à vous endormir sereinement, branché sur des choses positives et élevées vibratoirement. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, mais sinon, un livre, ça fait le même effet. C'est une très très bonne pratique. Je suis tout à fait d'accord. Donc voilà pour le côté intuitif. Donc notre dernière radio, la radio de l'âme, le canal de l'âme, on y est, ça y est. Donc là. Dans la connexion avec notre âme ou notre soi, donc moi je fais au niveau psychique la distinction entre le moi, l'âme et le soi. Donc le moi c'est vraiment la personnalité, c'est Magali, c'est Muriel, c'est Viviane, c'est Céline, c'est Patricia, voilà, c'est celle qu'on connaît dans cette vie-là. L'âme c'est le réservoir de toutes les ressources, les capacités des vies passées en fait, hein, et aussi évidemment les problématiques, le karma. Et le soi, c'est vraiment notre étincelle divine. C'est qui nous sommes au niveau divin, qui nous sommes en tant que fils et filles de Dieu. Donc l'idée, c'est d'aller se brancher jusque là-haut, ok? Jusqu'au soi. Mais l'âme, c'est ce qui permet de faire le lien en fait avec le soi et le moi. Okay? Donc là, ben, pour s'y brancher, évidemment, alors, non, d'abord, le problème. Pourquoi on pourrait rencontrer un problème à ce niveau-là? Donc en dehors de éventuels problèmes énergétiques. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des pinéales qui soient pas complètement mises au bon endroit, qu'il y ait les canaux, les chakras qui soient déplacés. Enfin voilà, il peut y avoir des problèmes techniques, on va dire, de connexion. Mais sinon, en général, ce qui va nous empêcher d'être en pleine connexion avec ces niveaux-là, c'est notre peur. La peur de notre propre lumière, de sa propre puissance. Quand j'accompagne des personnes en séance chemin de vie à se connecter à leur âme, eh bien, très souvent, je sens une. Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose un petit peu qui se durcit, qui a vraiment peur de recevoir, hein, parce qu'on a reçu plein de choses négatives dans notre vie. Hein. Donc, quand c'est nouveau, ben, il y a toujours une espèce de petite peur, en fait, à être pleinement traversé par ces énergies-là. On peut même avoir peur d'être complètement dissous
d'être défragmenté. Enfin voilà, il peut vraiment y avoir des peurs très très ancestrales. Donc c'est cette peur-là qu'il faut réussir à accueillir pleinement, à y mettre de l'amour, pour qu'en méditation, eh bien, on soit beaucoup plus tranquille et plus en confiance avec ces dimensions-là. Donc, vous l'aurez compris, l'outil numéro un, évidemment, c'est la méditation. Et ce qui est important, c'est de trouver la méditation qui vous convient. Donc là, j'imagine que dans la salle, il y a sûrement plein de personnes qui méditent. Mais je serais aussi intéressée de savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées par la méditation, mais qui n'ont jamais vraiment réussi à trouver une méditation qui leur permette de le faire vraiment régulièrement et que ça leur fasse du bien et qu'ils soient un petit peu frustrés. Est-ce qu'il y a des gens frustrés dans la salle de ne pas réussir à mettre en place une méditation régulière? Ça m'intéresse parce que j'ai pareil trouvé beaucoup de personnes qui n'avaient pas trouvé leur méditation. Ils avaient une vision en fait assez pas comment dire une seule vision de ce que c'est que la méditation, alors qu'en fait il y a plein de manières de méditer, et l'idée pareil c'est d'explorer pour trouver quelle est sa forme de méditation qui convient, mais bien un moyen pour arriver à un état. Ok, ah ben voilà, donc je vois qu'il y a des personnes là dans le chat qui n'arrivent pas à méditer ou qui n'ont jamais à réussir à en partir en méditation. Voilà, mais c'est très certainement que vous n'avez pas trouvé la méditation qui s'adapte à votre type d'intelligence. Il faut savoir qu'on a tous des types d'intelligence différentes et que pour partir en méditation, il faut d'abord donner à manger au mental, en fait. Il faut que le mental se calme. Donc là, je vous inviterai, petit conseil, à tester peut-être d'autres types de méditation. Donc, ah ben voilà, je médite en marchant. Ça, c'est super. Justement, il y a des personnes qui vont avoir besoin de mettre le corps en mouvement, en fait, pour que le mental s'arrête. Donc, effectivement, on peut faire des méditations qui sont, par exemple, des méditations où on va bouger à droite et à gauche. Voilà, d'ailleurs, après le Qigong, le Tai Chi, tout ça, c'est finalement des formes de méditation en mouvement. Après, il y a des méditations guidées. Donc là, on va utiliser les mots. Ça convient à certaines personnes et pas à d'autres. Il y en a qui utilisent des sons. Il y en a qui utilisent des visualisations. Donc, en fait, il faut vraiment réussir à trouver ce qui vous permet de grimper. Donc, continuez à explorer. Ne vous avouez pas vaincu. Voilà, continuez à chercher par expérience. On finit toujours par trouver le type de méditation qui nous convient. Oui, c'est ça, Myriam dit « Ne pas se prendre la tête avec les méditations qui ne nous conviennent pas. » Exactement, exactement. Donc, voilà sur ce que je voulais vous transmettre sur ces 6 niveaux et donc les 6 fuites qui peuvent nous perturber, qui peuvent nous empêcher d'élever nos vibrations. Et donc, nous allons bientôt être prêts pour faire bien le soin qui, quelque part, va nous permettre de vivre l'expérience de réharmonisation de tous ces niveaux. Qui sera une forme de méditation, en quelque sorte. Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire, enfin, moi, je vais vous guider à recevoir les énergies qui vont descendre. Et donc, donc voilà, la guidance, c'est la réception des énergies. OK. Donc, on terminera par ce joli soin. Merci à toi de nous l'offrir. Et est-ce que, du coup, avant qu'on parte dans ces belles énergies, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des ateliers que tu vas nous proposer? Donc, suite à cette conférence, tu vas nous proposer 3 ateliers, chacun sur des thèmes bien spécifiques, pour mettre en pratique tout ce que tu viens de nous expliquer là. Si tu pouvais nous en parler un petit peu. Oui, mais bien sûr, si vous avez vraiment envie d'approfondir, de continuer à avoir un petit peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratique et des outils à mettre en place dans votre quotidien qui soient parfaitement adaptés à qui vous êtes, eh bien effectivement, j'anime 3 ateliers qui vont reprendre ces 6 niveaux. Donc, on va les voir par 2. Le premier atelier, ça va être corps et émotion. Donc, on va cette fois-ci axer plutôt sur l'alimentation. C'est quand même une grosse perte énergétique. Donc, on va voir quels sont les aliments qui soutiennent notre énergie et développent nos vibrations. Tu veux dire que peut-être la pizza et les frites, ça ne soutient pas notre vibration élevée ? Mais tu sais que pour certaines personnes, c'est peut-être... Moi, je trouve des fois des choses étonnantes.
Mais en tout cas, c'est toujours pareil, c'est la dose qui fait le poison. Donc, une grosse pizza, non, c'est sûr, ça conviendra à personne. Mais une petite tranche de pizza, si ça nous met vraiment en joie, ça peut sûrement passer. Mais voilà, on parlera de tout ça, de ce qui se passe au niveau de l'alimentation, de la qualité vibratoire des aliments, de leur nature et de la quantité. En fait, c'est tout ça qui se joue dans l'assiette et qui nous permet du coup de soutenir les vibrations. Et voilà, j'essaierai le plus possible de donner des indications grâce aux pendules personnalisées aux personnes qui seront avec nous dans la salle. Et là, normalement, vous devez voir vous avez le lien qui s'est affiché hein, pour vous inscrire à l'atelier. Ça apparaît sur votre écran, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Ok, super, merci Muriel. Donc voilà, ensuite, on ira un petit peu faire le point avec vous sur les émotions qui vous perturbent le plus au quotidien et on fera des exercices de gestion émotionnelle et on apprendra vraiment définitivement à éloigner la négativité de notre espace personnel. Ça, c'est vraiment hyper important, c'est d'avoir les outils pour dire, ok, il peut y avoir des choses qui sont perturbées à l'extérieur, mais moi, je fais le choix de ne pas me laisser perturber. Et on va notamment réaliser un exercice d'ancrage pour nous permettre justement de ne pas partir dans la tourmente. Le deuxième atelier, il sera sur le mental et les relations. Donc là, Muriel, tu veux me parler ? Ah non, je croyais. Il me semblait t'entendre. Donc voilà, mental et relations, on va vraiment tout faire pour que votre mental devienne votre meilleur ami. Et vraiment, Dieu sait que quand on coopère avec lui, c'est une chouette équipe. Il faut vraiment apprendre à le remettre à sa place. Et on va aussi voir comment on peut se rendre compte des liens qui nous perturbent avec certaines personnes et comment on peut les couper, comment on peut les relâcher, prendre conscience de ce qui se passe. Je prendrai sûrement quelques personnes dans la salle pour vraiment voir les enjeux du lien énergétique qui se joue et je ferai très certainement un soin de libération des liens. Et ensuite, on fera un exercice que j'aime beaucoup, qui est vraiment de réharmonisation globale au niveau de notre champ énergétique, au niveau où en fait on rentre, on va dire, en connexion, en relation avec les autres, qui nous permet vraiment de reconnecter avec notre cœur en le réparant, on va dire, pour faire vite. Et ensuite, le dernier atelier, ce sera sur intuition et spiritualité. Donc là, l'idée, donc ça, je suis vraiment au cœur de ma pratique quotidienne, en vous apprenant eh bien, à augmenter vos perceptions intuitives, comment se connecter à son âme, dépasser cette fameuse peur de notre propre lumière par l'expérimentation, c'est-à-dire on va expérimenter, vous allez pouvoir me dire ce qui se passe pour vous et je vais vous aider à dépasser les blocages. Et on fera une méditation de clôture pour vraiment mettre en route votre potentiel parce que le tout, pour moi, ce n'est pas tant de se connecter à son âme que de la laisser redescendre, de laisser redescendre les informations pour se mettre en action, pour changer notre vie, pour nous permettre de l'aligner parfaitement avec ce qu'on a envie de vivre et de réaliser sur cette jolie planète pendant cette incarnation. Oui, donc c'est un programme très complet. On est vraiment sur le corps, les émotions, l'âme. C'est très complet ce qu'on va faire. Hein. On va reprendre tous les niveaux. Mais voilà, en prenant plus le temps de répondre à vos questions et puis d'aller un petit peu plus loin dans l'adaptation pour les cas des personnes qui seront présentes. Ok. Et donc, alors Caroline qui dit que tu ne vois pas le lien pour la formation, normalement il s'est affiché quelque part au-dessus de ton écran. Et donc, ce seront les 3, 9 et 16 décembre à 20h. Hein. J'ouvre mon agenda, je vérifie que j'ai les mêmes dates. 3, 9 et 16, on est bon. C'est ça, les 3, 9 et 16 décembre à 20h. Et donc, du coup, comme ça, on pourra terminer l'année en ayant plein d'outils en main pour justement mieux vivre cette période de Noël qui peut être un peu particulière cette année. Donc, ça peut être pas mal pour avoir notre trousse à outils individuelle, quoi. Oui, et puis, c'est vraiment très important parce que c'est juste avant le solstice d'hiver. Donc, vous savez qu'on est dans une période de clôture, en fait, de cycle vibratoirement, surtout que ce solstice va être très très puissant cette année. Donc c'est vraiment important de se préparer au nouveau cycle qui arrive. Plus on aura réussi à faire du lest, à s'être aligné avant le solstice, plus on va repartir avec une énergie décuplée. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour le faire.
Alors, il y a Vanessa qui demande jusqu'à avoir le retour de Magali, que vous n'aurez pas évidemment en replay parce qu'on n'est pas encore à... non, on ne sait pas encore faire des replays en direct. Donc, il n'y a pas de limite de temps dans l'offre. C'est juste que si vous êtes en direct avec nous, ben là, pour le coup, ça sera vraiment hyper interactif pour vous. Voilà, je prendrai des exemples concrets. Vous me direz votre prénom, votre date de naissance. Je me brancherai à vous et je pourrai vraiment, pour certains d'entre vous, le plus possible, individualiser au plus fin les conseils que je vais vous donner. Super. Tu veux dire que si on est 4 millions, tu peux faire ça pour les 4 millions ou... Ah ben, il faudrait être très, très rapide. Ouais, moi, après, quand je suis connectée, je suis généreuse, je m'en vais pas, je donne le plus possible, c'est ça qui fait ma joie. Mais après, oui, 4 millions, je crois que non, j'aurais atteint ma limite quand même, hein, Muriel. On sait jamais, on sait jamais. Hein. Voyons grand. Ok, super, super. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, sinon vous aurez le lien dans le replay demain pour aussi continuer à vous inscrire. Et donc, ce seront les 3, 9 et 16 décembre en direct avec Magali. Pour ces ateliers, pour aller explorer le corps, les émotions, aller explorer l'âme, développer son intuition, faire tout ça. C'est un joli programme, hein, c'est chouette, hein. Mais je trouve ça très chouette. Et puis ce qui est chouette aussi, vous avez certainement déjà suivi des ateliers sur internet comme ça, mais ils sont assez rapprochés dans le temps. Et quand on fait, quand on sent, quand on est appelé pour ça et que vraiment on s'inscrit et qu'on suit les 3 ateliers, eh ben il se passe vraiment des choses, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe des choses entre le premier jour, entre le moment où vous allez vous inscrire et puis le dernier atelier. C'est-à-dire que ce laps de temps entre aujourd'hui et le 16 décembre, rien que le fait de poser l'action, de vous inscrire à l'atelier, il va déjà se passer des choses. C'est très chouette, quoi. Je trouve que c'est une belle manière aussi de continuer à travailler sur soi et de recevoir des clés. Voilà. Oui, c'est ça. Vous engagez finalement à élever vos vibrations. Vous savez que vous allez être accompagné pour le faire. Donc, quelque part, l'univers co-crée déjà avec vous, en fait, par rapport à cette intention-là. C'est ça. C'est ça. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses pour ces 3 ateliers. Et d'ici là, donc, Magali, tu nous offres un soin ce soir pour élever nos vibrations ? Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on va expérimenter là. Je vais faire appel à des énergies, on va voir ce qui descend pour nous tous ce soir. Je vais prendre le temps un petit peu de me synchroniser avec toutes les personnes qui sont présentes et on va laisser descendre les énergies. Donc je vais vous guider pour les faire circuler en fait dans votre corps pour que chaque niveau de votre être puisse vraiment recevoir les vibrations. Donc vous allez sentir qu'il y a certains niveaux donc qui vont être reliés aux différents chakras. Ok, c'est par là qu'on va s'y connecter. Vous allez voir que des fois ça va passer crème, c'est super, wow, ça va faire du bien. Et puis il y a des fois où justement vous allez sentir que c'est un petit peu plus difficile à passer. Donc c'est aussi un outil de décryptage quelque part des niveaux qui sont les plus perturbés chez vous. Donc ne vous inquiétez pas si ça a un peu du mal à passer. Bah, c'est juste hop, ok, c'est qu'il y a un petit problème ici, mais vous savez que vous pourrez le régler plus tard. Continuez à laisser descendre les énergies à travers ma guidance. Et même si ça ne va pas complètement, ouvrir pleinement cette dimension-là, ça ne pourra que déjà, allumer, démarrer un processus bénéfique pour vous. Ok. Et ce soin-là, est-ce que c'est un peu un aperçu de ce qu'on va faire avec toi dans ces ateliers, de ce qu'on pourra recevoir dans ces ateliers ? Alors effectivement, à chaque fin d'atelier, on fera déjà des exercices pendant les ateliers, mais à la fin, il y aura toujours quelque chose. Moi, j'aime bien clôturer en fait par quelque chose vraiment de vibratoirement qui nous unit déjà, parce que ça, c'est important aussi au niveau du groupe, qui nous relie, qui nous unit, qui qui nous permet d'ancrer, d'intégrer en fait toute l'information qu'on a reçue au niveau corporel. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, Magali, on est avec toi. Allez, c'est super. Eh bien, je vous invite à vérifier que vous êtes bien, bien installée. Hein. Des fois, ça vaut le coup. On prend des positions quand on écoute qui sont pas forcément hyper confortables. Donc, vous pouvez un petit peu vous étirer, un petit peu bouger. Voilà, pour retrouver une position sur votre canapé ou sur votre chaise. Alors, c'est un soin que vous pouvez faire allongé, hein, si vous êtes sur votre canapé, qui peut aussi se faire sur la chaise. Donc, moi, comme je suis sur une chaise, je vais en profiter pour m'aligner un petit peu, avoir la colonne vertébrale à la fois droite, mais flexible, pas raide. Et la première chose que je vais vous demander, c'est de vous connecter à vos pieds, de vraiment prendre conscience de ce qui se passe sous vos pieds. Rien ne se fait
sans une bonne prise à la terre. Donc prenez conscience de vos pieds, s'ils sont sur le sol, du contact qu'ils ont avec le sol. Sinon, prenez conscience de la relation qu'ils ont globalement avec la terre. Voilà, juste prenez quelques instants. Vous allez relâcher vos tensions en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Voilà, super. Encore une fois. Voilà, chaque expiration, j'enlève les tensions. Je me pose. Voilà, et maintenant, je vais vous inviter à poser votre conscience à peu près 60 cm au-dessus de votre tête. Et vous allez visualiser comme une boule dorée qui va descendre au-dessus de votre tête, une boule dorée comme un soleil. Voilà, et dans lequel on va faire descendre pour chacun d'entre vous les énergies les plus justes, les plus lumineuses. Pour augmenter, élever vos vibrations. Voilà, laissez se remplir la boule des énergies. Intensifier. Voilà, et maintenant vous allez laisser poser la boule au-dessus de votre tête, la mettre en contact avec votre crâne. Voilà. Et laisser transmettre son rayonnement. La laisser entrer à l'intérieur de votre tête. Laissez les énergies hautes rayonner à l'intérieur de votre cerveau. Ensuite, laissez descendre dans votre gorge. Voilà, laissez se diffuser ces hautes vibrations. Inspirez, puis soufflez en laissant descendre à nouveau la boule chargée, ces hautes vibrations, jusque dans votre cœur, le plexus cardiaque. Voilà, sentez les énergies qui se mêlent à votre propre cœur, ses propres pulsations, pour vivifier, intensifier. Super. Continuez à laisser descendre la boule au niveau du plexus solaire, au niveau du sternum, de la base du diaphragme. Rayonnez.
Voilà, laissez dissoudre toutes les énergies, parfois gluantes, collées à ce niveau-là. Dissoudre. Voilà, si vous sentez que vous en avez besoin, inspirez par le nez, soufflez par la bouche pour laisser sortir les énergies. Puis à nouveau, faites descendre dans le deuxième chakra, au-dessous du nombril. Rayonnez. Voilà, et pour finir, descendre le long de la colonne vertébrale. Restez un moment avec la boule au niveau du début du premier chakra, au niveau du sacrum. Voilà, et utilisez la boule comme un aimant à vos vibrations plus basses. Voilà, laissez la boule se charger maintenant qu'elle va redescendre en terre. Toutes vos vibrations, voilà, plus négatives, plus denses, plus vieilles énergies. Voilà, et vous, vous sentez qu'elle est pleine. Vous lâchez la boule. Et vous la laissez, voilà, rejoindre la terre, rejoindre le centre de la terre. Voilà, respirez encore une fois en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche. Voilà, pour permettre aux dernières énergies qui auraient besoin de circuler dans le bas de votre ventre de se faire. Et pour terminer, je vous invite à mettre vos deux mains sur votre cœur. Voilà, et à remercier les hautes énergies qui sont venues pour vous aider à vous accomplir en tant qu'être humain, en tant qu'être divin incarné dans la matière. Voilà, je rends grâce pour ce qui m'est offert. Je rends grâce pour les énergies qui sont descendues pour moi. Et puis voilà, tranquillement. Prenez le temps de vous reconnecter. Encore un peu plus avec votre corps, à bouger à nouveau. Et puis quand vous serez prêt, prête, eh bien vous pourrez réouvrir les yeux. Voilà, il est possible que vous sentiez une petite, comme une petite vibration dans la colonne vertébrale. Les énergies sont en train de s'intégrer tranquillement, de se réharmoniser. Et si vous voulez nous mettre, voilà, quelques petits mots dans le chat sur voilà, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe pour vous. Moi, j'ai beaucoup baillé. Hein. Super, c'est que ça circule. Alors, on a Chantal qui nous dit « Merci, au chakra de base, une sorte de régression avec envie de hurler. » Ouais, c'est qu'il y avait vraiment des choses qui avaient envie de se relâcher, profiter de l'énergie de sortie pour se faire. Ok, ben ne forcez pas, mais voilà, juste déjà ressentir
pouvez continuer si vous sentez effectivement un des envies de décharge. Eh bien, ça peut être voilà, d'intensifier un peu la respiration avec l'expiration, inspirée par le nez, soufflée par la bouche. Ça peut être aussi de ramener de la conscience, de mettre la main aussi hein, à l'endroit où il y a eu cette sensation. Ok. Patricia qui nous dit blocage au niveau de la gorge. Corinne, des frissons et des bêlements. Joss qui nous dit plexus pardon, solaire dénoué. Super. Nadine qui dit bienvenue au club des bâillements, Muriel. Allez. C'est chouette, c'est un super indicateur. Hein. Les bâillements, c'est vraiment l'indicateur que l'énergie, elle circule et que vous accueillez l'énergie de relâchement. Comme je vous ai dit, un corps détendu, relâché, c'est vraiment le bon substrat pour accueillir les hautes vibrations. Donc, c'est super, super. Marie-Françoise qui dit merci, la voix faisait vraiment vibration. Merci Marie-Françoise. Chantal qui dit un grand merci pour ce soin, je baille tant et plus et fourmillement partout. L'énergie qui se réveille. Nathalie qui remercie, qui dit qu'elle est fatiguée. Ah, c'est l'heure hein, maintenant. Martine qui dit qu'elle a aussi beaucoup baillé. Pierre qui dit qu'il a ressenti plusieurs vagues de douce chaleur. Quand on sent qu'on est fatigué, hein, il faut savoir que dans nos sociétés, en général, on dépasse on va au-delà de notre besoin de repos. Donc, quand on sent la fatigue arriver, ben c'est qu'on s'écoute aussi. Donc, c'est vraiment chouette de s'autoriser après à aller rapidement au lit pour tous ceux qui se sentent fatigués. Allez. Christophe qui dit gratitude, image d'Horus au début. Et arrivé au chakra de base, ma colonne s'est mise à vibrer avec des va-et-vient de bas en haut. Eh bien, en plus, tu as eu des informations intuitives. Super. Juste avant la nuit, ça va être récupéré par les rêves, tout ça. Ça va être super. Ça va être chouette. Michel, une grande détente, un relâchement parfait, super au niveau du plexus. Anne-Claire qui nous dit bâillement et sourire Béa. C'est qu'on était tous connectés, hein. Vous savez, un bon bailleur en fait bailler 7. C'est ça. Donc là, du coup, voilà. On en a fait bailler un paquet. Ouais. Tu vois, Marie-Françoise, il y a beaucoup de témoignages. Hein. Marie-Françoise qui dit moment intense quand la boule retourne à la terre. Et Sabine qui dit ça a un peu coincé au niveau de la gorge, plus bas. Et oui, il s'est passé quelque chose de fort lors du son aussi, comme si les tensions. Qui partaient, mais de belles énergies rafraîchissantes. Et il y a... Oui, c'est... Vas-y. Non, vas-y. Il y a Corinne qui demande s'il faut boire de l'eau après ce soin. Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est circulation, de toute façon, énergie, c'est toujours bien de boire un petit peu d'eau, surtout si, voilà, on le sent, quoi. C'est pas obligé, mais si on a un tout petit peu de soif... Effectivement, c'est très bien parce que ça fluidifie ensuite les énergies, ça permet vraiment que l'apaisement se fasse aussi au niveau cellulaire, donc ça peut être une très bonne idée. Alors Fabienne, tu vois, qui parle aussi du chakra de la gorge un peu bloqué, on a eu beaucoup de témoignages hein, sur le chakra de la gorge, forte énergie qui est passée, et Magali qui dit, alors, sentez pas descendre, puis plus tard, sensation que c'est descendu, et là elle dit, elle vient d'éternuer 3 fois, est-ce que c'est quelque chose qui part ou autre chose ? Ah ben, l'éternuement, c'est comme le bâillement en fait. Hein. C'est une sortie d'air. Ça cherche une comment dire. On s'oxygène plus en fait hein, quand on bâille. Hein. Donc ça signe souvent des transferts d'énergie. Donc ça peut être ta manière d'évacuer l'énergie. Ça pourrait être de la gorge ou du troisième œil, oui. Géraldine qui dit, j'ai vécu des tensions ce soir et là j'ai retrouvé beaucoup d'énergie. Super, merci Géraldine pour ton feedback.
On va bien dormir ce soir, en fait. Ah ben c'est ça, hein. C'est ça, c'est le but. D'être parfaitement détendu et voilà, vibrant pour planter une magnifique graine pour la journée de demain. Alors écoute, il y a deux questions qui sont, remarques qui sont vraiment intéressantes, parce que voilà, il y a Juliette qui dit « rien senti comme d'habitude mm-hmm. ». Donc, est-ce qu'il faut persévérer ? Est-ce que, voilà. Et Vanessa qui dit « est-ce que le soin fonctionne en replay ?» Eh bien, oui, parce que, en fait, du moment que on demande aux énergies de descendre, c'est par l'intermédiaire de ma voix. Donc, ma voix sera toujours présente et disponible pour que les énergies qui ont été connectées, qui sont toujours disponibles, descendent aussi pour vous. C'est ça. Donc, il n'y a pas de date de péremption. C'est ça. Et donc, ça veut dire que les gens... Et pour Juliette, eh bien, ça vaudrait le coup d'être accompagnée personnellement, en fait. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir comme ça sans connaître la personne pourquoi ça bloque. Il peut y avoir plein, plein de raisons qui fait que, ben, voilà, il peut y avoir une difficulté à se connecter au ressenti. Donc, ben, ça vaudrait le coup de te faire accompagner pour profiter de ça. Après, c'est pas parce que tu ne ressens pas que ça ne se passe pas. Moi, sur la table, j'ai des personnes qui sentent énormément, qui peuvent me... Elles savent exactement où est-ce que je travaille, ce que je fais, etc. parce qu'elles sont très, très sensibles. Il y a des personnes qui sont moins sensibles, qui ne savent pas trop ce que je suis en train de faire, mais qui en reçoivent quand même les bienfaits. Donc, c'est pas... Mais après, il peut y avoir un côté frustrant, je peux te comprendre, Juliette, à ne pas ressentir. Donc, tu peux vraiment t'autoriser. Peut-être, comme je le disais en préambule, en parlant de l'aspect physique et émotionnel, c'est explorer plus tes cinq sens, déjà en dehors de la méditation. C'est-à-dire que quand tu touches quelque chose, d'être à 100% dans ce que tu touches. Quand tu sens quelque chose, d'être à 100% dans ce que tu sens. Pour vraiment étoffer, en fait, tes perceptions sensorielles. Ok. Ok. Alors, on n'a plus ton image. Éventuellement, tu pourrais rafraîchir. Voilà. Magali va revenir. Hop. Enfin, normalement, Magali va revenir. Ah, voilà, elle revient. Voilà. Alors, est-ce qu'on te voit ? Voilà, super, tu es revenu parmi nous. Mais écoute, c'était simplement pour... voilà, on va clôturer cette jolie conférence et ce joli soin aussi pour que justement tout ça infuse. On a un petit peu débriefé, mais pas trop, pour que voilà, vous restiez dans vos ressentis. Et puis, peut-être qu'on se reverra tous le 3 décembre prochain pour le premier atelier. Hein, le premier atelier. Nous, on sera là, donc ce sera avec joie, effectivement, qu'on vous accueillera. Magali, alors merci infiniment à tous de votre jolie présence et de votre participation à ce soin et de vos retours. C'est toujours très agréable d'avoir vos retours. C'est toujours très chouette. Magali, merci infiniment. Ben, merci à vous. Merci pour votre patience, malgré les aléas techniques, pour bien que la conférence se passe voilà, au mieux pour chacun. Et puis, ben, on vous laisse voilà, profiter de tout ce qui s'est passé ce soir et voilà, garder le cap pour que voilà, toutes ces belles vibrations qui sont toujours autour de nous ben, puissent être vraiment mises à disposition de qui vous êtes et que nous portions tous mieux. Voilà. Et puis, demain, vous recevrez le lien pour le replay. Comme ça, si vous avez besoin de re-regarder la conférence, ben voilà, vous aurez l'occasion de le faire. Merci à tous. Merci, Magali, à toi. Et puis, je vous souhaite tous une belle soirée et au 3 décembre avec Magali. Au 3 décembre. Merci à tous. Au revoir.